Presque 7000 espèces de crabes sont recensées dans le monde. C'est plus que les mammifères, 5400 espèces. Un peu moins que les oiseaux, 10000 espèces. Les crabes ont colonisé presque tous les océans et les mers, depuis les eaux glacées de l'Arctique jusqu'aux tièdes lagons tropicaux, de la surface jusqu'aux abysses. Toutefois, ils sont absents des eaux antarctiques. Ce crabe se caractérise essentiellement par sa dernière paire de pattes natatoires ou palettes natatoires, par un aplatissement des deux derniers segments. Pourquoi bleu? À cause de sa couleur, et américain en raison de sa zone géographique. Une ancienne légende hawaïenne veut que le dieu de la mer, désirant se délecter de la chair de ce magnifique crabe doux au toucher, se fit pincer les doigts en voulant le prendre. Les taches rouges que portent les descendants de ce crabe seraient les empreintes des doigts ensanglantés de la divinité. Les calapas sont friands de gastéropodes. Mais pourquoi la pince droite est très forte? Parce que l'ouverture de la coquille des gastéropodes est orientée vers la droite. Dans l'océan, les chasseurs, les crabes, et leurs proies, les gastéropodes, sont donc engagés dans une course de vitesse aux armements. Les coquillages s'ouvrant sur le côté droit, les crabes ont évolué en conséquence et sont devenus droitiers. Vers la Caroline du Nord, ce crabe vit en symbiose avec l'algue Dictyota menstrualis, qui émet des substances chimiques toxiques, notamment le dictyol E, qui dissuade fortement les poissons de le manger. Ossipode vient d'Ossipète, l'une des trois harpies de la mythologie grecque, dont le nom veut dire « celui qui vole vite ». Quasi impossible à attraper, ils changent constamment de direction, creusent le sable et y disparaissent en un éclair. Différence entre l'araignée de mer et le crabe. L'araignée de mer est aussi un nom commun pour désigner une espèce de crabe, de la famille des Magidae. Crabe et araignée de mer appartiennent au même genre, mais à des familles différentes.